Good morning, allez, Iden, les sur aujourd'hui, les Nishmat, Richard, Ben Fortune, Mazal, Claude, Israël, Ben Fortune, Mazal, et Olga Batsolvanich, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet, Rosh Hashanah, Peridalet, Mishnah, Vav, En Pochatin, Masara, Malchouyot, Measara, Zichronot, Measara, Shofarot, Rabbi Chonan Ben Nuri Omer, Imamar, Shalosh, 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 Mikulan Yatsa, En Mazkirin, Zikaron, Malchout, Veshofar, Shalpuranot, Matril Batura, Omashlim Banavi, Rabbi Yossi Omer, Im Hishlim Batura, Yatsa. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait vu que, avant de sonner le shofar, il faut mentionner des psukim, des zichronot, sur le fait des malchouyot d'abord, sur le fait qu'Hachem c'est notre roi, qu'on entretient un rapport de roi et de sujet avec lui, un rapport direct, il réside parmi nous, ça c'est le malchouyot. Zichronot, c'est qui voit nos actes et qui nous juge. Et shofarot, c'est sur le fait qu'Hachem s'est dévoilé grâce au shofar, et se dévoilera grâce au shofar. Et donc il faut mentionner des psukim en rapport avec ça. Il faut 10 psukim des malchuyot, 10 psukim de zichronot et 10 psukim de shofarot. Concrètement, dans la Torah, il y a Torah, Nevim, Ktuvim, la Torah donnée par Moshe Rabbeinu, Nevim, c'est tous les prophètes, et les Ktuvim, c'est plus les, en général des chants qui ont été composés, surtout essentiellement par David Ameler, et là-bas, donc ça c'est les Ktuvim. Les Teilim, quoi, disons. Il y a aussi Michelet, Kohelet, et tout ça c'est les Ktuvim. Maintenant, donc, il y a trois sortes, tu dois dire trois psukim de chacun, plus encore un dixième qui vient compléter le tout, c'est comme ça que tu nous fais 10 psukim. Après, on verra l'ordre, est-ce que c'est Torah Nevim Ktuvim, Torah Ktuvim, Ktuvim Nevim, ce sera la fin de la Mishnah. Pour le moment, donc, 10 psukim. Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit, non, Imamar Shalosh, Shalosh Mikulan, ça c'est-à-dire juste trois de chacun, pas à peine d'en dire 10. Un des Torah, un des Nevim, un des Ktuvim, pour chacun, et tu l'acquittes de ta mitzvah, ainsi de ta mitzvah de mentionner ses sujets, ses psukim, avant de sonner le shofar. Deuxième partie de la Mishnah, c'est En Maskirin Zikaron Malchut Veshofar Shalpur Anut. Dans les Nevim, dans la Torah même, Nevim surtout, il y a plusieurs psukim qui mentionnent qu'Hachem, c'est le roi, mais qui va venir pour régler les dettes. Alors là, c'est un roi, mais un roi fâché. On n'a pas envie de le mentionner de la sorte. Idem avec le shofar ou par les zichronot qu'Hachem se souvient pour punir. Alors là, on ne mentionnera pas des psukim comme ça. Donc, en maskirin, on ne mentionne pas. Zikaron, des souvenirs. Malchut, des psukim de malchut, de shofar. Shel pour anout, ou qui évoque le fait qu'Hachem va châtier ses créatures. D'accord? Troisième sujet. Matril batora ou mashlim banavi. Il commence par la Torah et il conclut par le Navi. Soit on a dit qu'il y a Torah, Navi, Mktuvim. Eh bien, tu commences par la Torah, mais tu conclus par le Navi, et les Ktuvim, tu les mets au milieu. Pourquoi? Alors là, on a un problème, toujours, ces trois niveaux de Kdusha, Torah, Nevim et Ktuvim, ensuite. Les Ktuvim, ils ont une Kdusha moins forte que les Nevim, c'est plus des paroles directes qu'Hachem s'adresse à nous, c'est plutôt des choses, des mises en scène, surtout dans les Télim, des mises en scène de David Ameler qui évoque comment ce sera quand Hachem va se dévoiler, et dévoilera sa grandeur et sa malchoute sur Terre. Alors quoi? Pourquoi tu le dis avant de le dire à Nevim? Sur ça, il y a plusieurs réponses proposées. On va retenir celle du Ran, du Tosfot, plutôt rapporté dans le Tosfot Yom Tov, qui nous dit que chronologiquement, David Ameler était avant la plupart des Nevim. Ok? David Ameler, c'est avant le Beth Amidash. Shlomo aussi. Yov, c'est écrit par Moshe Rabbeinu. Donc tout ça, c'est des Ktuvim qui sont avant les Nevim en chronologie. Et ça, c'est donc c'est pour ça que Matril Batora et Mashlim Banavi. Rabbi Yossi Omer, Imshlim Batorah Yatsa, Rabbi Yossi nous dit, malgré tout, si pour conclure, il nous dit un pasuk de Torah, il s'acquitte, et mieux que ça, c'est comme ça que l'on réalise la lacha établie devant Rabbi Yossi. Si vous faites attention, on commence toujours dans ouvrez le moussaf d'Rosh Hashanah, vous verrez que là-bas, on mentionne des psukim de Torah, des psukim de Nevim, des Ktuvim, des psukim de Nevim, et on finit toujours avec ouvre Torah Trak, ouvre les morts, et on mentionne un pasuk de la Torah pour conclure justement le sujet par un pasuk de la Torah. Comme est la vie de Rabbi Yossi. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.